Bonjour, je suis Christine Cloirec, je suis députée de la 5e circonscription d'Ille-et-Vilaine et je suis rapporteure pour avis pour la Commission des affaires sociales concernant le projet d'orientation et de réussite des étudiants, le plan étudiant, parce qu'on y parle dans les articles 3 et 4 de la santé des étudiants. Le gouvernement propose de supprimer la délégation de services publics qui avait été confiée aux mutuelles pour gérer l'affiliation des étudiants au régime général de la sécurité sociale. Donc désormais, chaque année, les étudiants n'auront plus à payer 217 euros. Donc c'est un gain de pouvoir d'achat et c'est aussi une simplification dans les démarches. Deuxième chose, c'est la contribution vie étudiante qui va être mise en place et qui va donc être collectée par les CROUS auprès de tous les étudiants et redistribuée aux établissements, qu'ils soient publics ou privés, pour une partie financer des actions de prévention, mais aussi pour améliorer l'offre de soins des étudiants. C'est donc la contribution à la médecine préventive. Et puis aussi une contribution pour bénéficier d'activités sportives et culturelles. Donc ce sera pour tous les étudiants. Et dernière chose, les boursiers ne paieront pas cette contribution et pourront avoir bénéficié de tous ces atouts. Une conférence de prévention va être mise en place. Cette conférence de prévention permettra de suivre la santé des jeunes et d'améliorer les conditions de vie étudiante. On y associera des représentants des étudiants, des représentants de l'assurance maladie et des représentants de l'université. En gros, ces deux articles 3 et 4 vont permettre, un, de simplifier les démarches administratives des étudiants, et deux, d'améliorer la santé des étudiants et la vie étudiante en général.